vainqueur Christophe. Je suis née à Trois-Rivières, pharmacien depuis près de 35 ans dans ma commune. Jusqu'après mes études, je suis retournée vivre à Trois-Rivières. Depuis 2004, je suis engagée en politique avec la Guadeloupe pour tous et Victorin Lurel. Donc, j'ai été conseillère régionale pendant 6 années. Puis j'ai été maire de la commune de Trois-Rivières depuis 2008. En 2012, je suis suppléante de Victorin Lurel aux législatives. Étant ministre, j'ai eu à exercer la fonction de députée pendant 2 ans. C'est vrai que j'ai un parcours, politique un peu atypique parce que je ne suis pas une militante engagée comme beaucoup, mais ma profession m'a emmenée à exercer mes fonctions puisque cette profession de pharmacien, c'est une profession où on doit être à l'écoute, on doit être attentive et on doit accompagner les clients, donc maintenant les administrer. C'est vrai que concilier en même temps vie politique, vie familiale, vie professionnelle, c'est pas souvent facile pour les femmes, et je crois pour toutes les femmes. Et en particulier, je crois que mon engagement politique, si j'avais eu un enfant en bas âge, je n'aurais peut-être pas choisi ce moment pour le faire. Mais j'avais la chance d'avoir une famille qui m'accompagnait. Et ça, c'est important, le soutien familial, d'avoir un époux également à mes côtés. Parce que ce n'est pas évident le parcours d'une femme politique. C'est vrai que nous devons, je souhaite et j'espère, et je dis à tous les jeunes de la Guadeloupe qui veulent s'engager, qu'il faut le faire, parce que quand on veut, on peut, et qu'on peut véritablement concilier tous les aspects de la vie privée à la vie politique.